merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulette pour commenter cette rencontre. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Les Bavards, on en avait manqué le coup d'envoi. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match? Je dirais Sergio Ramos. Il joue souvent d'une surface à l'autre et tactiquement, il ne fait pas n'importe quoi. Au contraire, c'est vraiment très très fort. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. C'est joué long. Cavani! Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'était une meilleure finition. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. À eux d'en profiter maintenant. Darren, on va avoir besoin de vos lumières. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'équipe d'en face? On peut s'attendre à un jeu de... Benzema! Et l'arrêt, magnifique! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Toni Kroos qui récupère ce ballon. La passe est précise. Tant qu'on le garde dans au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. C'est joué long vers le poteau de corner. Di Maria reçoit le ballon. Il cherche un coéquipier. Le Paris Saint-Germain va frapper le corner. Ce sera le premier corner du match. Ils ne vont pas trop chercher leurs adversaires. On les voit souvent défendre en bloc, assez bas. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Accélération! Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il relance côté droit. Pour trouver la faille dans la défense. La passe interceptée. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon jaillissement. Thiago Silva qui cherche la faille. La bonne passe. Oh, voici Bale. Cristiano Ronaldo. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Lucas. C'est osé. Ça, c'est une interception parfaite. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Il est passé. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh, Cristiano Ronaldo. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Il prend sa chance. Renvoyé par le poteau. Thiago Motta. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'ouverture. Va-t-il en profiter? Cavani! Oh, quel bel arrêt! Ah oui, là c'était magnifique. Lucas! Oh, c'est un arrêt important ça! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Di Maria, il va frapper le corner, bien sûr. Il est tellement dangereux dans cet exercice. Oh, l'aspiration! Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. Il sonne la charge. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la profondeur, bien vu. Bonne interception, il y avait danger. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. La tentative! Et la puissance y était, mais pas la précision. C'est une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Toni Kroos.
espace. Bien, la profondeur. Jolie passe levée. La frappe! Oh, l'intervention magnifique! Oh, le gardien est là, la classe! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Aucun danger pour le gardien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Lucas Moura. Casemiro qui cherche la profondeur. Il frappe au but. Oh, Navas. Encore, il peut frapper. Et le but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Il avait bien suivi en misant justement sur une erreur du gardien. Le tir était difficile à capter. Bien joué. Le score. Il mène au score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il file dans l'axe! La passe dans la profondeur. Thiago Motta. Matuidi. C'est joué long, attention. Sergio Ramos. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. On parle, mais le jeu a déjà repris. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. Et ce ballon vers ses attaquants. Difficile de Benzema. Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. S'il le trouve. Il a pris tout le monde de vitesse. Cavani, quel manque de précision! Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça ne réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Daniel Carvajal. Encore une bonne intervention. Il tente de la jouer dans l'espace. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Oh, voici Cavani dans l'espace. Di Maria. Oh, l'interception. Modric. Casemiro. Cavani. Toni Kroos. Modric. Oh, le contre, l'arme fatale. Il y a du mouvement. Cristiano Ronaldo se projette vers l'avant. Benzema. Il peut encore frapper jusqu'au bout. Et c'est un but. C'est tout simplement incroyable, magic. Quelle est importante cette égalisation. Et le gardien qui passe complètement au travers, ça fait but. Quel attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense, c'est le bazar. Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré, et ça se confirme. Il reçoit le ballon. Daniel Carvajal. L'entraîneur n'a toujours pas fait de changement, ça va peut-être venir. Et ce ballon sur l'aile, Thiago Silva, qui met bien pour le pied. Pour revenir sur l'action précédente, là. Ils ont encore attaqué sur l'aile droite. J'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. C'est... Lucas! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça.
Thiago Motta, qui ne résiste pas au contact. Dans la profondeur. Oh, quel caviar! Il peut frapper. Oh, but! But pour le Paris Saint-Germain! Et ils prennent l'avantage! C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça! Et le doublé! Maintenant au tableau d'affichage. Daniel Carvajal. Oh, Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Il est lancé vers le poteau de corner. Modric. Thiago Motta. Motta! Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Oh, Cristiano Ronaldo! Oui, c'était bien parti, mais c'est pas allé au bout. Il glisse le ballon en profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Casemiro. Daniel Carvajal. Cristiano Ronaldo. Benzema, le jeu repart vers la droite, c'est joué long, attention. Thiago Motta, un long ballon vers l'avant. Je crois que le manager a demandé à ses attaquants de rester devant, plutôt que de se replier. Ça sent le contre alors ? Ça sent le contre. Oh, voici Bale, son coéquipier est libre, bonne passe. Comme geste. C'est joué long, c'est dangereux. Ça manque de soutien. Un ballon intéressant. Lucas, bien servi sur le côté. Attention à ce sang. Allez, de la tête! Poteau! Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Pour trouver la faille dans la défense. C'est bien donné. Une occasion! Le soutien derrière lui. Matuidi. Ça manque un peu de solution. Joli tacle. Oh, voici Lucas Moura. C'est joué long, attention. Lucas Moura. Le ballon s'en touche. Thiago Motta. Attention! Oh, la main ferme! Et l'arrêt, magnifique! Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il joue en retrait. Le tir! Il avait tout mis dans sa frappe, mais pas de précision. Quelques instants à tenir. Toni Kroos. Oh, Benzema. C'est joué long. Le Paris Saint-Germain qui récupère ce ballon. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela, on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus, même si à l'arrivée, il n'y a qu'un petit but d'écart pour faire la différence. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? Eh bien là, nous avons une nouvelle preuve que la victoire va à celui qui prend le plus de risques. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu ce match. Merci la reine Tulette, vous avez été parfait comme d'habitude. Salut à vous, à bientôt.